aujourd'hui, on se retrouve pour une séance haut du corps. Alors, en matériel, il va nous falloir un tapis et des haltères. Au niveau des haltères, si vous n'en avez pas, vous allez chercher une bouteille d'eau ou ce que vous avez, une boîte de conserve par exemple. Attention, maxi 2 kg. 1 kg, c'est très bien, d'accord? Voilà, vous essayez de suivre toute la séance. Je sais que le haut du corps, c'est pas votre truc, hein? Mais il faut le travailler. Un joli buste, c'est quand même plus joli. Des bras toniques, c'est plus joli que des bras complètement mous. D'accord? Donc on y va, c'est parti. L'échauffement est très simple. Vous avez juste à me suivre. Écartez les jambes. Enroulez vos épaules. Voilà, tout simplement, dès l'échauffement, on a notre paire d'haltères. Encore. Bien sûr, hein, la consigne. De serrer le ventre, c'est pareil, hein, même pour une séance du corps, on change de sens au niveau des épaules, les jambes sont fléchies, encore, dernière fois, ici, on monte et on descend, encore, bien sûr le but, hein, c'est d'échauffer vos épaules. Attention, on écoute, on tient au cœur de mes épaules.
bah c'est pareil pour le haut du corps. Encore. J'en fais encore deux. Dernier. Relâchez. Cherchez un petit peu plus. Vous allez monter vos bras légèrement tendus sur le côté. Ils sont un tout petit peu fléchis. Et on replace hauteur des épaules. Maintenant. Rien de dur, 7, c'est un muscle tonique, 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Gardez vos haltères, prenez votre tapis. Alors, on va commencer par une petite série de 3 exercices. Premier, ça sera des pompes. Deuxième, on travaille à triceps. Et le troisième, on va faire un gainage. Donc pour les pompes, allez, vous écartez les mains plus larges que le tapis pour vous allonger au sol. Vous allez écarter un petit peu vos jambes, vous les plier. Vous allez rentrer le ventre et vous allez pousser dans vos paumes de main. Ici, hop, on n'est pas en bas, on n'est pas ici en arrière, on est bien centré. On va descendre la poitrine entre les deux pouces au milieu. On y va. Jambes 8, 8, 7, 6, si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, 5, ça me va très bien, 4, du moment qu'on respecte ces alignements, 3, 2, 1, posez, on en prend 8, maintenant, 8, 7, 6, 5, 2, 1, prenez vos haltères. Ici, hop, travail du triceps. On y va, pliez, tendez. Je vais vous mettre, hop, on y va, c'est parti. Et 1, 2, si la position vous gêne, 3, n'hésitez pas à vous mettre debout. 4, 5, 6, 7, vous ne faites pas les coudes, 8, ici, ne faites pas ça, maintenant, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soufflez, placez-vous sur les avant-bras, partant du nage. Rentrez le ventre. Encore, encore. Relâchez. Soufflez. Allongez vos bras. Tirez bien. Profitez-en pour relâcher le bas de votre dos. Lâchez un petit peu vos épaules.
Positionne une
mets les bras de chaque côté et sentez les deux genoux sur le côté droit. On lâche un petit peu le bas de votre dos. Les deux épaules sont collées l'une contre l'autre. Replacez. Changez de côté. Voilà, la séance est terminée. Je vous dis à très bientôt.